morceau de viande d'un rouge régulier qui contraste avec le gras sur le grill. Nous sommes à la soirée de dégustation de la viande brésilienne, l'authentique churrasco. Objectif, faire redécouvrir au marché ivoirien la qualité de la viande brésilienne et permettre l'accessibilité des importateurs locaux aux produits et aux carnets d'adresses des exportateurs. Ça, c'est une fête pour célébrer la viande brésilienne, pour la promouvoir entre des importateurs ivoiriens qui connaissent déjà les produits brésiliens et veulent importer davantage. Là, ce qu'on mange aujourd'hui, c'est la viande haut de gamme. Et alors, c'est ça qu'on veut exporter davantage ici. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter, parce que les Ivoiriens aussi augmentent peu à peu le pouvoir d'achat, c'est de manger une viande de meilleure qualité. Importateurs, restaurateurs et hommes d'affaires ont répondu massivement à l'invitation et ont pris plaisir à déguster et partager la qualité de la viande de bœuf provenant du Brésil. J'ai trouvé de la viande de grande qualité parce que généralement je n'utilise pas de viande importée dans mes restaurants parce qu'il n'y a pas trop de goût et puis il y a beaucoup de graisse. Mais la viande que j'ai découverte ce soir, elle est au top. C'est l'une des meilleures viandes que j'ai jamais eu à goûter. Et je suis étonné même que ce soit étrangère parce qu'il y a beaucoup de goût dedans. Généralement, les viandes importées n'ont pas vraiment de goût. Elles sont juste moues, molles si vous voulez, molles et qui n'ont pas de goût. Mais là, j'ai trouvé une viande de qualité. Très molle et puis avec beaucoup de goût, très goûteuse. C'est une viande très savoureuse. La viande, on en consomme tout le temps, mais là, on a tout de suite senti la différence. Et d'autant plus que c'est une viande dont l'élevage est soucieux de l'environnement. Je pense que c'est très recommandable pour l'importation en Côte d'Ivoire. Le Brésil est l'un des plus importants producteurs de viande bovine au monde, résultat de décennies d'investissements dans ce secteur. L'objectif de la filière est d'accroître la productivité et la qualité des produits brésiliens et de les rendre compétitifs sur le marché international.